Fatshi entre le marteau et l'enclume. Il se retrouve aujourd'hui en face des conséquences de ces accords de faire partir la République démocratique du Congo dans la communauté des États d'Afrique de l'Est. Il va subir les conséquences, qu'ils le veulent ou pas, la communauté, comme a proposé le président Uhuru Kenyatta, de former une force et une zone tampon en République démocratique du Congo, donc à l'est de la République démocratique, où cette force va être établie, justement pour essayer un peu de terminer cette histoire de FARDC, donc disons de rébellion et de l'insécurité. Le Rwanda sera-t-il fait partir de cette force-là? Nous allons en parler dans cette édition. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour. Donc, bienvenue à Contact Pro Live. Donc, vous aviez suivi donc, tous. Donc, aujourd'hui, nous sommes lundi 20 juin 2022, où le président Tshisekedi devrait participer à cette réunion de l'EAC, où les communautés des États d'Afrique de l'Est, où nous avions récemment signé les accords de faire partir là-bas. Et Félix Tshisekedi avait vanté l'adhésion de la République démocratique du Congo dans cette communauté, que cela nous était à notre bénéfice. Maintenant, le problème, nous allons dans cette édition essayer un peu de voir et de disséquer. Selon toujours notre constitution, y a-t-il eu des bavures? Y a-t-il eu, est-ce qu'on avait suivi les procédures enfin pour que la signature de l'adhésion de la République démocratique du Congo dans cette communauté là? Est-ce que toutes les procédures ont été épuisées? Avons-nous étudié cet accord là qui donne maintenant la suprématie, donc tout le droit à ce que ces États-là puissent recourir à la force pour créer une zone tampon sans armes. Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui dans cette émission avec laquelle nous commençons la semaine qui va nous mener vers la fin du mois de juin. Et toujours, donc, il y a en République démocratique du Congo, il y a une turbulence terrible. Le peuple congolais veut la guerre et veut en finir avec le Rwanda. Serons-nous capables? Nous allons, dans toutes ces histoires-là, donc, dans tous ces faits qui passent en République démocratique du Congo, surtout cette semaine, nous allons l'analyser et puis nous allons répondre finalement à toutes les questions. Beaucoup de questions surtout m'ont posé ce week-end. Vous m'aviez envoyé en tout cas une multitude de questions me demandant si est-ce que Fatshi doit accepter ou bien il ne va pas accepter. Est-ce qu'il y aura, qu'est-ce qui pourra arriver si Fatshi se dit qu'il se désolidarise avec cette communauté-là? Est-ce qu'il aura raison? Est-ce qu'il aura ce gâte de refuser toute cette force de venir encore en République démocratique du Congo pendant que nous savons que nous avons la MONUSCO, nous avons déjà le Kenya sur notre terre, nous avons l'Ouganda déjà sur notre terre, nous avons les Tanzaniens qui sont là. Donc, toutes ces forces-là, on ne voit pas quelle est la nouvelle force qui sera encore acceptée. Voilà tout ce que nous allons parler un peu en bref dans cette émission. Et avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour développer notre sujet. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Conflit congolo-rwandais, Julien Paluku Kaongi appelle la population à la retenir. RDC, nouvelle défection d'un cadre du PPRT.
PPRD de Joseph Kabila. Fin des tueries au nord et au sud Kivu, en Ituri. Ça, c'est la déclaration du chef des ADF, Moussa Baloukou. Vous allez lire ça dans election-net.com. On va sur actualité.cd. Découverte d'un corps macabre, d'un corps à Malepe, RDC Beni. Et puis Lumumba, émotion à des excuses. Bruxelles pour la remise d'un relique du héros congolais. Assassinat Lumumba, le premier ministre belge, nouvelle des excuses de la Belgique. On va sur Congo profond. Kasumbalesa, infrastructure, le maire de la ville lance le débit de travaux d'assainissement du terrain d'Omnisport. Hilton annonce l'ouverture de deux nouveaux hôtels à Douala. Ituri, la Monisco dote 5 radios communautaires de kits d'alimentation solaire. Et puis, nous allons sur 7/7. Construction de mur entre la RDC et les Rwanda va coûter 506 millions de dollars à raison de 2,2 millions par kilomètre. Et ça, c'est Muzito qui parle. Et puis, agression de la RDC par le M23 Rwanda. La situation est grave. Reconnaît Félix Tshisekedi qui appelle à mettre de côté les divergences pour se mobiliser derrière l'armée. On termine par Radio Okapi. Nord Kivu, nouveaux affrontements entre FRDC et M23 dans le groupement de Bouenza. Tanganyika, les agences de l'ONU restent après le départ de la MONUSCO. Bruno Le Marquis parle. Merci, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, si nous allons dans la Constitution, nous avons les prérogatives du président de la République. Et ces prérogatives lui donnent justement possibilité de signer les accords avec les pays étrangers ou bien les organisations ou tout ce qui concerne les accords extérieurs de notre pays. C'est dans ses droits. Ça, c'est le droit du président de la République. Mais quelle est la procédure à suivre? Nous avons cette procédure-là dans la Constitution. Pour tous ces accords-là, la Constitution nous donne l'acheminement. Il nous donne comment est-ce que nous devons faire. Le président ne peut pas se réveiller aujourd'hui et il va signer les accords comme il est en train de faire aujourd'hui. Il est parti au Burundi, il a signé les accords de construction de routes sans que même le Parlement ne soit impliqué. Là, dans tous ces accords-là à l'extérieur, il est demandé au président de la République de les ratifier, de les signer dès qu'on a déjà étudié et dès que le Parlement a déjà donné son point de vue. Pourquoi ça? Parce que ces accords, souvent, comportent des trucs et des courbures que peut-être le président de la République ne peut pas directement déceler. C'est ainsi qu'il lui est demandé, dans ces accords-là, il faut que ça soit vers le Parlement et le gouvernement aussi informé et que les études soient faites prérogativement, donc avant d'aller signer tous ces accords. Nous avions suivi que le président de la République a abrogé tout ça. Il a signé avec les Rwanda, les accords économiques que les gens ne comprennent absolument pas. On ne connaît pas le contenant de tous ces accords-là. Il y a la semaine passée, Mbosso, avant la fermeture, on s'est posé la question. Il se disait qu'on a informé tout simplement le Parlement. Est-ce que c'est ça le pouvoir que Fatshi voulait? Est-ce que Fatshi voulait respecter la Constitution comme elle lui avait demandé Joseph Kabila? Nous voyons ici que la Constitution doit être respectée dans tous ces petits angles. Et ça nous évite maintenant à tomber dans les erreurs qui vont coûter maintenant la République, toutes ces histoires ici. Est-ce que maintenant nous voyons du côté de la Cour constitutionnelle? Parce que si par exemple aujourd'hui, les communautés d'Afrique de l'Est qui vont décider, j'espère qu'ils vont décider, de former un contingent pour venir créer une zone tampon. Est-ce que cela n'aura-t-elle pas
toutes les formes de la violation de la Constitution par le président de la République. Et qui doit constater cette violation-là? C'est la Cour constitutionnelle. Mais ici, nous voyons que la Cour constitutionnelle étant dans la poche du président de la République, comme il voulait, donc la Cour constitutionnelle va rester silencieuse. Et même si aujourd'hui le peuple congolais constate qu'il y a des violations, personne n'osera à soulever son petit doigt en disant que non, le président a violé la Constitution et que nous puissions le démettre de ses fonctions ou que nous puissions lui poser les questions. Parce que, imaginez-vous que le président de la République ne discute pas avec le gouvernement. Il collabore avec le gouvernement. Il ne discute pas avec le parlementaire. Le Parlement n'a pas de poids, le Parlement, parce que c'est le Parlement aussi qui peut proposer en disant que non, le président a brogé ou bien a violé la Constitution. Est-ce que notre Parlement d'aujourd'hui peut-il vraiment se dire que non, nous allons voter une motion contre le président de la République? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que déjà, le président de la République a cherché à tout faire avoir la majorité. Parce qu'à ce moment-là, vous n'avez plus aucun moyen de le traduire en justice qu'il a violé la Constitution. Mais les violations continuent du jour au jour. Mais où est-ce que nous constatons que le Fachi est bloqué? C'est parce que maintenant, la grogne populaire, tous les Congolais aujourd'hui, sont pour que nous puissions aller en guerre. Mais qu'est-ce qui empêche que le président de la République ne déclare pas la guerre? Parce qu'il y a aussi, par là, selon la Constitution, des démarches que le président de la République, avant de proclamer une guerre avec un autre pays, il y a des démarches ou bien qu'il faut suivre. A-t-elle suivi ces démarches-là? Vous avez la réponse. Pourquoi je vous dis que vous avez la réponse? Parce qu'en déclarant, par exemple, l'état de siège, vous allez comprendre qu'en déclarant l'état de siège de l'Ouest de la République démocratique du Congo, le président n'avait même pas besoin des histoires-là de parlement. Donc, il a fait cette histoire-là sans pourtant qu'il y ait préparation. C'est comme ça que nous tombons dans les erreurs. La préparation, c'est-à-dire quoi? Nous allons mesurer la logistique, est-ce que notre armée est-il vraiment capable d'aller en guerre? Est-ce que notre armée est-il capable de terminer ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Mais on est parti directement en déclarant l'état de siège comme ça, et puis on se rend compte que non, nous avons été mêlés dans la farine parce que les données qu'on nous a données n'étaient pas exactes. Le nombre de militaires qui opéraient à l'Est n'était pas celui qui était sur papier qu'on lui proposait. Est-ce qu'a-t-il eu le temps vraiment de regarder quelle est l'importance de cet état de siège? C'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc l'état de siège a pratiquement échoué parce que sur notre territoire aujourd'hui, il y a une certaine occupation. Et dans le même état où, dans le même espace où c'était déclaré état de siège, c'est là le grand problème. Maintenant, la question est de savoir, maintenant notre Parlement, y a-t-il quelqu'un qui va avoir du gâte en se disant, interpellons par exemple le président de la République, ou comme on n'est pas en mesure d'interpeller le président de la République, est-ce que nous pouvons initier une motion de destitution de Fachi? Parce qu'il y a violation de la Constitution. Mais comme c'est un Parlement dans la poche de Fachi, personne n'aura ce gâte-là de se dire que non, nous allons mettre Fachi, destituer le président de la République ou l'accuser de haute trahison. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une haute trahison. Il ne faut pas se voiler la face. On ne peut pas se voiler la face. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une haute trahison. Il y a des armées étrangères qui sont sur notre terre, notre territoire, qu'on n'a jamais informé le Parlement. Le Parlement n'a jamais été informé. Hein? Je ne sais pas si le Parlement...